Mon premier souvenir marquant avec la Fondation Bouygues, ça a été évidemment la rencontre qui a suivi l'obtention de mon baccalauréat, parce que c'est le premier entretien professionnel véritable que j'ai eu, où j'ai pu rencontrer Madame Navarro et la proviseure de Neuilly-sur-Seine. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu impressionné au début, mais ça a été aussi très formateur. Et le deuxième souvenir marquant que j'ai avec la Fondation Francis Bouygues, c'est lorsque j'ai dû réaliser une vidéo de présentation en fait, de mon projet, de qui j'étais. Il a fallu m'habituer à un exercice oral qui est désormais ma pratique quotidienne.